Salut à tous, c'est Zimcoco. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Redstone. Sur ce tuto, je vais vous apprendre à faire des afficheurs 7 segments. On va voir ça tout de suite. Je vais vous apprendre à les faire et je vais vous expliquer un petit peu le principe. C'est tout simplement un tableau sur lequel il y a 7 segments. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ici. On peut voir ça surtout sur des réveils ou sur des montres. Ça permet d'afficher les chiffres de 0 à 9. Alors je vous montre tout de suite. Par exemple, 0. Hop. Voilà, 0. 3. Bon, je pourrais tous les faire, mais vous avez compris. Oups. Voilà, alors je vous explique. Vous commencez par faire une rangée de 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mis de la glow pour que ça fasse mieux, pour que ça rende mieux. Alors vous ensuite vous faites 11 blocs de hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici 9 et 11 encore. Ensuite on va s'occuper de remplir ce rectangle. Vous mettez deux blocs comme ceci à chaque extrémité et il vous reste 3 bloc de libre au milieu, c'est ce qu'il faut. Ensuite vous mettez une rangée de 3 blocs encore une fois au dessus de ces blocs de libre et avec ce segment, enfin ces 3 blocs que vous avez posés, vous avez la base d'un carré de 3 sur 3. Voilà. Ensuite vous montez ici et vous finissez les segments. Faut que ce soit toujours 3, un segment de 3. On va directement faire le segment d'ici. Voilà. Vous voyez déjà 4 segments. Et on va faire les autres. Ici encore une fois, vous faites un autre carré de 3 sur 3. Hop. Vous bouchez sur les coins de sorte à ce que ça fasse des segments. Alors vous voyez ici que le tableau est presque fini, il manque juste les blocs derrière avec une case de décalage. Alors vous mettez tout simplement des blocs derrière ces segments. Hop, comme ceci. Vous avez déjà la base, le tableau comme il faut. Ensuite vous comptez à partir de la glo qui est en bas à droite 5 blocs, 1, 2, 3, 4 et 5, et vous posez 10 leviers 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous avez les 10 leviers. Derrière ces leviers, vous posez des repeaters. Derrière ces repeaters, une rangée de blocs. Et derrière ces blocs, vous mettez des torches. Voilà, comme ça, quand on active, la torche s'éteint. Ensuite, vous remettez une rangée de blocs par-dessus. Voilà, et du coup ça fait comme les ascenseurs de redstone que je vous ai appris à faire dans l'épisode de présentation de la redstone. Voilà.
cette torche donne du courant au bloc qui du coup éteint la torche. Vous remettez une rangée de torches avec par-dessus une rangée de blocs encore une fois. Avec encore des torches. Voilà. Je vais d'abord placer les pistons avant de commencer. Alors, vous avez besoin de pistons collants. Que vous placez comme ceci. Avec une case de décalage. Par rapport au bloc des segments. Donc la ligne du vide et les pistons qui regardent vers les blocs. On va faire les autres donc ici. Hop, hop, hop. Ici même chose. Moi je prends comme repère la glowstone du milieu. Je sais que je dois coller mes pistons à ce bloc. Donc, 3, 1, 2 et 3. Voilà, j'ai fait les 7 segments. 4, 5, 6 et 7. Alors on va s'occuper de relier le premier segment à la redstone. Alors, on va prendre du orange. Et je vais reprendre de la redstone. Voilà. Alors de ce côté-ci, vous allez poser deux blocs comme ceci, de sorte à ce qu'il y ait un bloc au-dessus des repeaters. Vous posez hop, comme voilà. Ensuite, vous mettez une rangée de repeaters sur les premiers blocs de laine. Enfin, de laine, vous mettez ce que vous voulez. C'est pour que ça soit plus facile pour vous. Et sur la deuxième, vous mettez comme ceci de la redstone. Ensuite, devant les pistons, vous mettez trois repeaters, et vous reliez la redstone ici. Par contre, il faudra mettre un inverseur. Voilà, comme ça, ils sont activés par défaut. Du coup, quand on active, voilà. Alors, vous allez me dire que là, tous les chiffres activent le segment du bas. C'est donc à ce moment qu'il faut enlever les repeaters pour lesquels les chiffres n'activent pas le segment du bas. Alors pour le 0, il l'utilise. Pour le 1, il ne l'utilise pas. Le 2, le 2, oui. Le 3, oui. Le 4, non. Le 5, oui. Le 6, oui. Le 7, non. Le 8, oui. Et le 9, oui. Voilà, on a fini pour ce segment. Alors, on va faire le deuxième. Je vais prendre une laine comme ceci. Et vous faites la même chose. Vous mettez deux blocs. Voilà. Donc vous faites comme avant. Une rangée de repeaters. De la redstone. Et on va relier ici. Hop. Faut pas oublier de mettre l'inverseur, je vais le mettre ici et on va monter comme ça. La redstone et les repeaters. Voilà. Maintenant, le segment du milieu. Le 0 l'utilise. Ne l'utilise pas. Le 1 ne l'utilise pas. Le 2 l'utilise. Le 3 l'utilise. Le 4 l'utilise. Le 5 l'utilise. Le 6 l'utilise. Le 7 ne l'utilise pas. Le 8 et le 9 l'utilisent. Donc on a fini ces deux segments. Par exemple ici j'active le 7. Et vous voyez qu'aucun s'active. Par contre si je mets le 0, celui du bas s'active. Et si je mets le 2 par exemple, voilà, les deux s'activent. Alors je vais couper ma vidéo ici. Je vais du coup en faire plusieurs épisodes. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime. Salut à tous.